Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagnez crié dans la cour qu'a évité l'homme. Gloire pas suspendre propager dans jeto hein. C'est pas des quantités garçons qui perdu la vie yo. Et ben gagnez yon bois droite monsieur. Un personnage de confiance a évité l'homme. Monsieur qui retrouvé l'on situation extrêmement difficile. Et bien Toho ça va regarder là. Yo t'a touyé monsieur fizier monsieur. Et c'est bon bois droit ta vidé l'homme bral vin avec preuve bral vin avec détail. Désolé pour moun qui se famille policier François qui bandi dans Mariani te tué. Et ben mesdames mademoiselles et messieurs, nan yon image que gang Mariani a metté dehors, c'était un policier qui placé sous quelques roches yon bouteille devant, yon raché coupe policier rapiété et yon placé sous bouteille là et sous roche. Wow. C'est une image qui est difficile pour garder. Mesdames, mademoiselles et messieurs, la police tire yon moun leste qui t'a assemblé dans le moment c'est un innocent. Élément qui c'est Roberto de Risma. Monsieur Mouri, c'est policier Lestero qui notamment qui t'a parcouru derrière plusieurs voyous qui sous moto qui ont l'habitude de fouiller moun l'autre bazar. Mais malheureusement, c'est dans même Mera, pendant la police a fait travail, eh bien, Roberto est placé dans un mauvais moment, dans un mauvais lait. Bonjour, bonsoir à vous tous. Comment nous est-ce qu'on a fait? Maman, je ne sais pas contre la rentrée de la caillou. Vous connaissez déjà des inactions, c'est informé. Avec un pile d'intérêt, nous allons chercher information sur ça. Nous allons porter le baou et puis nous partons comme ça. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Le temps pour capter une actualité, c'est ça qui a ouais avec citoyen ça qui c'est Bull Green innocent vite l'homme donc que monsieur tombé en babal hier côté que monsieur c'est monsieur qui était dans chef rentré Peignéa, il était même placé monsieur comme deuxième ou bien troisième plus gros chef un gros autobrin gang quasi barrière et ben vidéo image tout ça on regarde là c'est pendant le temps vivant. Et petit bout de pied sur Oya, c'est pendant l'ité là, le pas là encore. Élément ça qui, notamment, tout le monde peigné, reconnaît lui comme un homme fragile. Il avait dit son nèg nan yon moment, non, fuck, sur seconde là, il a corrigé Kayo. On a regardé, et puis, notamment, écoutez, mesdames, messieurs, donc, qui s'est passé, et quand vite l'homme qui pas suspendre pendant la période ça, victime, tout. On va dire victime de mon trop. Owen, il va suspendre victime tout. Yo, c'est moment pas yo, Owen. Et information, c'est que monsieur, tes amis vite l'homme en pile, et ça fait vite l'homme mal en pile, et vite l'homme crié dans tout dernier niveau, puisque l'elle gade li, ouais, yon bon ami, yon bon frère, yon homme de confiance, li mouri. N'a pas rappelé, c'est plusieurs bandits dans base ça qui tombé pendant période ça, homme de confiance encore. On a le gade, on a le tendé. Information que tu partages avec moi. Mon Dieu, ben tati. Alors, excusez-moi si vous voyez et photo image ça, c'est pour me expliquer et de monde ça. Et ben monsieur ça, c'est bois droite vite l'homme, bien quoi c'est deuxième chef et non peigné. Son gros chef non peigné bay bandi. On bon. Et ben monsieur ça son on déporté lui. Ou elle noté tout noté entre le mariage give là. Et ben monsieur était même pas t'a pas anglais avec nous. On prend l'entité de San Costive là et plutôt du fait des bras. On prend monsieur était entré dans la cour, t'a parlé avec vous avez dit son monde qui connaît nous bien, qui connaît nos gens diaspora. On prend c'est une raison ouais si tu pas permettre nous gétan déplacer peigné. Monsieur t'a fait reprendre nous quand même tati. Mais Dieu merci. Nous t'es déplacé et ça va t'arriver fait et mais je dis là mes résultats monsieur comprend c'est ça nèg yo toujours oublié même le a fait cou y a tué a braché mais gagne un jour qui pas pour et ben monsieur rivé dans jour pas là là
Et chaj, et bien c'est ça, m'te vle faux pas. On bon, misé allé, il tombé. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est comme ça, situation, hein, l'y présenter pour inviter l'homme. Et l'autre point qui domine l'actualité, image là vraiment difficile pour me partager à vous même, c'est comment bandit dans Mariani t'a l'autre tête, et Zami Taïsa, qui c'est un agent Udbo policier 26e promotion, François, qui notamment, mesdames, messieurs, bandit dans Mariani t'a porté la ville y aller, donc, non situation extrêmement difficile. Donc, immédiatement, yo fini tuer policier, yo prend tête policier, yo rache li, yo range plusieurs ti roches, yo coupé cou policier rapide, donc jusqu'à ce que yo joigne seulement ti bout tête là et puis yo place li notamment mesdames messieurs on bouteille devant donc policier qui dans moment donc non seulement monsieur fin mourir en babal voyou mais il y a passé red misel tout en babal même l'autre nèg sa yo donc incident ça m'te parler au délit c'est Robert Delisma qui a tombé en babal pendant la police et t'a couru et derrière plusieurs malfrats qui étaient sur une moto et ben mes frères et sœurs amis donc monsieur qui c'est Roberto Delisma qui était dans les grands bon désolé l'antigène difficile et ben il y a trois monde qui prend balle et puis monsieur mouri il y a vidéo à entrer dans groupe Telegram non partage à comment et qui finit c'est peut-être c'est un monde qui toujours parler là nos peuples là et qui montrer le conséquent de la dit ça ça veut dire pour ou capable dire voilà bon, jusqu'à date mon leader politique mon qui soutient là qui toujours bataille et puis pas jamais trahir peuple ça ou capable bal bénéfice ça parce que tout l'autre négo c'est des béni comme ça blanc a dit tout l'autre négo pas mais yo à la patte parce que yo peuple n'a du pouvoir porter revendication peuple là pour blanc pas tant qu'on nèg la dit comme ça souvent et Ariel et on prend sanction. Très bien, très bien. Mais c'est Patrick, ou garder position d'intégrité Guy Philippe pendant un pile monde a essayé de te questionner et accuser Guy Philippe. Désolé. Ou t'as pas avancé monsieur Patrick et Gilles, t'allez. Mais t'as avancé monsieur Patrick Gilles, t'allez. Question de sanctions que y a prend contre au série de leaders politiques au série de monde dans le secteur des affaires ou pas remarquer pays a envieuse ou pas remarquer pas gagner par exemple si premier ministre Ariel fait 10 ans là fait 10 ans oui parce que tout le monde peut pas prendre sanction contre yo ça gain visa pour pas couper visa yo au détriment de la population haïtienne au détriment du pays. Mais là joue un monde qui dit bon pour revendication peuple là qui pas tant comme monsieur SDP au bout du malheureux pas gain pas l'en fait et puis quand même là au prend pouvoir dans deux secteurs de dépenser $2,000 américains dans hôtel les critiquer petit monsieur Rougeau et puis les gain comme ça avec petit monsieur Rougeau il y a le bobo chez comme yo dans les gars au casino il y a le bien en piscine on est Guy Philippe pas comme ça. Monsieur Patrick Gilles Kounia, on regarde ça pour nous. C'est vrai que vous parlez de vraie charge qui était Québec contre Guy Philippe auprès de l'autorité américaine yo, sur question de blanchiment des avoirs, si me dit comme ça. Mais Kounia là et on regarde Kounia puisque de informations qui a circulé alors ou au coin de ça, soit de la presse traditionnelle, soit de médias tout ça yo en ligne où est que bien que avocat Guy Philippe yo même yo démenti ça puisque yo montré que pas jamais que aucune charge qui de gambe contre Guy Philippe mais qui ça on même ou connaît Bokadi de question attaque de fait de commissariat au calan qui était la cause que gen un policier qui l'état son qui t'a et qui t'est mouri et yo t'ai même parlé de présumé implication Guy Philippe là-dedans. Est-ce que pour même ça c'est un dossier monté un dossier qui bien taillé pour ta capable kembe Guy Philippe et dans mes autorités dans l'état yo? Bon ça ouais bien content qu'on mette le conditionnel. Ah bon. parce que en matière de droit, on est doit avancer son bagage, il faut qu'on prouve. Exactement. Moi espérer que mon cap dit bagage ça, il y a une preuve. Exact. Parce que Guy Philippe il y a des témoins. Parce que le moment il a pas accusé Guy Philippe, il dit que bagage ça, que Guy Philippe était là, t'es une délégation parlementaire commission et éducation nationale, la formation professionnelle qui t'a qui était avec Guy Philippe ensemble dans Caribou Hotel.
pendant toute la soirée et tout le lendemain matin et autant de bagaille comme ça. Ça veut dire que même eux témoigné pour dire que j'étais avec Guy Philippe. OK. Et puis d'autant plus torturé. Imaginons où est la méchanceté, même le mal, ils le font mal. Il y a battu les mains. D'ailleurs, ça veut dire que la question de droit, nous n'avons pas respecté du tout, monsieur Salle. Mm-hmm. Les gens ont besoin de faire des actes criminels. Il y a battu les mains. Qui est-ce qui vaut? Nous n'avons pas jamais répondu. Qui est-ce qui vaut? Il y a battu les mains. Peut-être que nous n'avons pas joué nous. Nous, par contre, qui nous, Lila, par contre, pour qui ça là. Mm-hmm. Et puis, il y a un homme qui a torturé, qui a molesté lui, qui dit c'est Guy Philippe qui vaut. Mais ce n'est pas sérieux. Voix ça existe, oui. Tout le monde a des voix. Policier qui dit monsieur, c'est Guy Philippe qui vaut. Il dit oui, Guy Philippe qui vaut. Malheureux, il a torturé. Et le pire qui va arriver, le lendemain matin, il rejoint monsieur Mouri. Bon, monsieur, bon, dis nos paroles. On rend nos fous ou sages. Pour nous gagner, on témoin comme ça là-même. Longeant de bagaille comme ça. Témoin, suivez-il. M'dabvoye chercher docteur. Service d'urgence. Défibrillateur. Pour, même si quelqu'un t'a arrêté, forme ta balle défibrillateur pour qu'elle commence à battre. Parce que m'a besoin d'un témoin comme ça. M'a besoin d'un monde comme ça qui pourra l'identifier citoyen, ça te voye là la boucherie. Bon, pour se mourir, mourir. Mm-hmm. Alors nous battre la gestion tuelle. Mais quelle idée? Mm-hmm. Mais son bagage complètement saugrené. Ouais. Et puis, on pensait rencontrer ce Guy Philippe qui a dû voter plein de copies. Ok. Si t'es non, et puis par contre, si on a circonstance non cité, et puis le lendemain matin, on tue mon nom. Mon enlevé, il est tout pour enlever, monsieur pas levé, il m'a tellement maltraité, monsieur. Là encore, monsieur Patrick Gilles, il y a deux personnes qui m'ont questionné ça, et même de l'avocat qui dit que si je dis à avancer tel ça pour Guy Philippe, exemple par rapport avec question soit expliqué à au Kailan, et qui ça qui explique que Guy Philippe te gagne tout et document légal même au niveau de DCPJ dans question case judiciaire et pour ta même porter comme candidat au Sénat dans le département et même d'arriver élu. Est-ce que tout ça encore pas montrer que tout ça cap dit là c'est des fables que yoyé et pas ça que tu as raison. Non mais on a encore mieux. Même bon, grâce à Dieu, nous t'ai fait 2-3 jours l'école tout. Mm-hmm. Ok. C'est théâtre qui a fait. Nous ne sommes pas des hommes de théâtre, nous sommes des réalistes. Mm-hmm. Des pragmatiques. Qui ça nous fait? Nous connaissons qu'à faire n'importe qui bagaille. Eh bien, dans 3 juridictions, 18 juridictions en Haïti, mais il y a 3 juridictions que le sénateur Guy est capable de dire évoluer. C'est la Gados. Mm-hmm. C'est la ville de Kay. Et Port-au-Prince. Mm-hmm. Eh bien, nous, greffio, avocat, sénateur Guy Philippe, Alain greffio, yo allé prendre un certificat. Et le certificat, yo dou, après, yo ou pas arrivé au bon certificat comme ça. Il y a un registre, il y a tout bagage. Après recherche que vous faites, sénateur Guy Philippe, pas de mandat de elle jusqu'à date. Ok. Non seulement il gagne ça dans 3 paquets yo et puis il allait dans des canards yo bal un certificat bonne vie MS. Mm-hmm. Mais c'est ça n'a pas encore 6 mois non. Oui, moi ça t'est daté le 29 juin 2023 que donc bah, c'est des mois juin jeudi si m'pas trompé. Eh ben oui, 2023 à date. Mm-hmm. Et puis Kounia ou prend mon nom d'ailleurs dérivé de CPJ. C'est mettez là, vous parlez avec lui, mettez là. Avocalement, de oui. Pour qui ça, monsieur là? Vous demandez qui pour qui ça là? Je dis, par contre, c'est monsieur, mettez là, et puis vous ne pouvez pas me sortir. Vous demandez, agent de CPJ, vous dit, et gardez monsieur là pour vous, autorité, puis vous établi, mettez monsieur là pour vous. Quand il y a fait tergiversation, il a tiré les ficelles pour ce théâtre habitué faire, pour continuer à faire théâtre là. Mm-hmm. Des scènes de théâtre de mauvais goût.
Kouna, bah, bah, m'gade ça avec vous, monsieur Patrick Gilles. On montre que comme si niveau de leadership que Guy Philippe toujours gagne, et ça montre ça selon le monde par rapport avec Ribéry Philippe dans le pays, hein, jeudi 30 novembre, non, par rapport avec quantité de monde qui a qu'elle recevoir, et soit de partisans, ses partisans, de proches, li, de anciens parlementaires, avocats, tout ça. Yo. Et pour même monsieur et Patrick Gilles, est-ce qu'on vraiment ou est que dans l'équipe qui l'a, puisque c'est l'équipe qui l'a, c'est lui-même qui, ça c'est un bon bah, autorisation avec Guy Philippe pour entrer dans le pays. Est-ce que ça c'est vraiment que pour voir qu'il a, il y a de intérêt pour que Guy Philippe ne pas dehors? Au seul bagage, je connais pour voir que connaît Guy Philippe a prévenu avant que Guy Philippe connaît. Ok. Si ça fait quelque part, vous prenez de cours. Parce que l'engin de vol, ça y est, dans le manifeste, il a annoncé pour voir qui monde qui a venu. Ok. Depuis un bon temps à l'avance. Okay. Pour voir que vous monsieur, apprentré. Ok. Mais nous-mêmes, proches partisans, nous connaissons l'apprentré, nous ne mettons pas de compte qui joue. Oh. Et ça nous a pris de coup, et puis, et fait mobilisation pour te gagner de l'OA, nous ne gagnons pas. Mais okay. Dans les jours à venir, si vous avez monsieur toujours, d'ici demain ou après-demain, donnez va changer. Ah, nous avons demandé ça. Ah, bon. Comment vous arrivez là, monsieur Patrick Gilles? Nous avons demandé ça. Ça veut dire que là, et si je vous ai facilité la tâche. Mais vraiment de ça parce que pas oublier son question que mon a posé parce que mon changer qu'on l'aime faire ça dans l'émission Guy Philippe et lycée un leader je dis hein qui a drainé ensemble de monde derrière dissolvé c'est ça le pouvoir de convocation hein? Exactement mais qu'on y a là où sont ben un message qui clair et m'assure que qu'on y a là pour moi capable comprendre plus bien est-ce que d'ici et 72 heures ou dit d'ici et jou k'ap vini la yo si que autorité dans DCPJ yo pas ta décidé puisque yo dit pas qu'il y a une charge qui kembe pour Québec Guy Philippe ne soit pas compris ça Kembel est-ce que nous mêmes soit à travers de la grandance ou dit à travers tout pays hein, nous entendre mais et faire de mouvement et de mouvement qui pral et chauffer béton. De toute façon, il va y avoir des mouvements pacifiques si vous regardez. Au Pacifique, parce ok. Il y a radicalisé la population, il y a joué avec les nerfs de la population. Ok. Et par exemple, est-ce qu'on comprend qui ça qui arrive dans Grandas, surtout les Oconais, il y a fait leader Grandas là, et qui a eu un mandat de Grandas pour le représenter, il y a fait l'abus ça. Est-ce qu'on compte ça qui arrive à Wanamet? Est-ce qu'on compte ça qui arrive au Cap Haïtien? Mm-hmm. Est-ce qu'on compte ça qui arrive là, dans la région métropolitaine? Ok, ok. Mais Guy Philippe, faut pas contourner seulement à homme de la grandance. Mm-hmm. Guy Philippe gagne des partisans et des sympathisants partout dans mm-hmm. la République. Mm-hmm. Gagne fois au monde qui a compris sur nous parce qu'on a parlé de grandance souvent, pistel souvent, ou tu as compris Guy Philippe c'est un homme du Nord. Mm-hmm. Quand on a pas ici, on a des côtés où on parle de Guy Philippe. On a tout qu'à comprendre, c'est dont bon Dieu a parlé, dont Jésus a parlé. Mm-hmm. Wanamet, de ce côté, il a fait première expérience dans le commissariat Wanamet comme commissaire. Eh bien, c'est chouchou mon oldé. Parce que c'est un homme sympathique. Mm-hmm. Très bien. Contrairement à ce qu'on a pensé, l'op garde de façon la plus volée, c'est un type hyper sympathique. Mm-hmm. Mais, je dis, il m'apprend tout, monsieur et Patrick Gilles. Je vais quitter le collaborateur MDC pour cette question. Ça, je dis, tout, il y a son gros stratège lié tout. Il y aura les batailles de Mika, là tout, sous ça. Ça va dire dans ça, monsieur Patrick Gilles. Mais il y aura les batailles de 2004 là, mais c'est normal, il y avait une confrontation, il y avait Guy Philippe, il y avait le groupe 184 contre le pouvoir en place qui t'a converti le pays dans la dictature, dans l'oppression. Ah, mais 9 ans, 10 ans, 15 ans, ça n'avait pas de sens pour pérenniser au pouvoir. Ok. Très bien. Monsieur Batikoula? Oui, je suis là. Très bien. Et tout à l'heure, on a approché, on a essayé de garder question intégrité, bon côté Guy Philippe. Est-ce que vous pas pensé question intégrité et Guy Philippe l'a touché avec un pile doute par rapport avec 6 ans qui sont passés dans prison aux États-Unis et les un pile monde qui t'a gagné dans opinion t'a fait connaître, c'est blanc qui t'a utilisé Guy Philippe dans propre effet pour te mener bataille 2004. Bon, non, on s'est arrivé. Mais j'ai l'impression en Haïti, si je dis à Wapmen en bataille, la bataille a réussi, il y a tous ces blocs qui ont réussi. Mm-hmm. Parce que nous n'avons pas quoi en tête, nous. Nous avons tout ça qui a fait qui pour réussir en Haïti, c'est blanc qui fait. Au contraire, mm-hmm.
Blanc pas pour réussir là. Blanc pas ou pas non non moi même ouais c'est une bagarre pas supporter les négatifs ça blanc dit blanc pas d'accord. Le pays de Jean-Jacques Dessalines qui a foutu les blancs dehors pour avoir son indépendance pour créer la plus belle page de l'histoire de l'humanité. On est avec tout le monde, il y a un recours à blanc. Et puis, blanc passe dans la bêtise. Parce que blanc n'a pas pardonné 1804 noir. Parce que nous avons fait l'échec. Et puis, nous-mêmes, on est là, nous avons prétendu la main. Nous avons souffert. Ok. Selon vous, M. Patrick, vous pensez à l'arrestation Guy Philippe par la police haïtienne pour remettre avec la justice des États-Unis? Je vais parler. Ok, M. Patrick, collaborateur, une question pour vous et une autre question des Ivenes. On a les désirs. Très bien. Et M. Patrick, est-ce que vous pensez à l'arrestation Guy Philippe qui était faite par la police haïtienne? Vous avez remettre avec la justice américaine, côté là, le passé 6 ans. C'est un règlement de compte pour bataille qu'elle a fait en 2004? Voilà, 2017 avant j'ai 2004. Ok. C'est tout simplement ça. C'est 2017, attendez, 2017 avant j'ai 2004, là, on va parler des années. Est-ce qu'il y a des personnages physiques que vous allongez de doit sur identifier? Mais attendez, je suis un homme d'État. Là, vous êtes dans les détails avec moi. Quand même, évite-moi ça. Non, mais attendez, monsieur Patrick Gilles. Je ne suis pas l'homme politique capable de faire des actes. Mais monsieur Patrick Gilles, vous entendez? Oui, ma belle. Est-ce que vous entendez, frère? Des frères blesses qui sont là, qui parlent à vous, même avec des Ivenes. Bam, tout bagage. Moi-même ici, l'entendez, mais c'est moi qui dis à monsieur Patrick, parce que je vous dis vraiment, où c'est, on va aller pour un acteur, que vous moi-même ici avec Désir, nous faisons des émissions depuis l'arrivée de Guy Philippe en Haïti. Nous parlons de questions. Guy Philippe, c'était un révolutionnaire et un peu de monde est considéré comme révolutionnaire qui était mené en bataille contre le régime, selon un peu de monde qui a été reproché le régime. Il y a des amis qui n'ont pas parole, qui ont dit oh, ou même avec Désir, on va considérer révolutionnaire, patati patata. Ça va déranger, non? Ça va déranger, moi-même, j'ai dit ça. Mais moi-même, qui peut être en 2004, faut être honnête avec vous, M. Patrick. En 2004, m'a connait pour Désir. Laisse ça moi-même moi t'a fait 9e année fondamentale lycée Alexandre Pétion. M'te petit monde. Donc et parler de 2004 Batagui Philippe, c'est vrai l'histoire montre que mais qui bataille li mené. Mais kounya là, le code 2007 à et 2017 à manger 2004. 2004 manger 2004. C'est vrai moi-même comme journaliste, m'ke bagaille m'ka fouiller sur dans Kalalou. M'ka connait mais de monde k'ap tande m là. Il n'y a pas qu'on est, et peut-être ça va dire à M. Patrick Gilles. Nous ne pas mettre comme si pour venir faire zé, mais au moins, il y a des références, et il y a des gens qui parlent de la Syrie, ou ensemble de bagages, mais moi-même, vous comprenez M. Patrick Gilles. Vous voulez répondre à la question? Non, mais regardez, pas oublier, et travailler nous comme journalistes, nous poser des questions. Ah, même là, ou ka répondre. Son droit, dit bon, même pas choisir répondre question. Son droit gain. Mais kounya là. Non, c'est pas une question. Moi, je dis comme ça, de toute façon. Il y avait le groupe des rebelles. Ok, yeah. Il y avait le groupe des rebelles face au pouvoir Lavalas, en face. Yeah, en 2004. Depuis 2017, le pouvoir de Lavalas a pris sa revanche sur 2004. J'ai répondu. Ok, bon. En tout cas, M. Patrick, je vais pas fouiller tout comme sur le canal parce que nous comprenons le bagage là. Et on a regardé ça, M. Patrick, parce que mal qui doit aller. Et parce que nous avons supplié l'autre radio. Parce que et pas nous même seulement la wap bâti par le lien. Vous savez ça? Oui, je sais. Blaise. Oui. Monsieur Patrick te parlait de kidnapping d'État. Oui, exactement. Là, Monsieur Patrick, dis-nous, selon lui, qui s'est caché des kidnapping d'État, ça? Parce que si 2017, danger 2004, est-ce que c'est sous même lancé à lui qui cause kidnapping d'État, ça? Est-ce que 2017, là, il collait toi avec 2023, ça? 2023. Bon, non, pour moi, ça, c'est un pouvoir mosaïque. Oh! Son pouvoir mosaïque, il y a tout le monde la donne. Ok, m'gobain. Il y a PHTK la donne, il y a Lavalas la donne, il y a opposition opportuniste la donne. Oh. Et puis,
Et puis il y a les professionnels de la politique là-dedans tout. Bon, okay. Monsieur Patrick, où dites-nous que la valasse là-dedans? Bon, tout le monde, la valasse n'a pas officiellement, personne ne connaît qui est-ce qui la valasse. Qui est-ce qui la valasse qui fait partie du gouvernement? Ou qu'a aidé nous, Weli? Mais attendez, mais du pouvoir qui est PHTK là-dedans quand même. Oui, ce n'est pas sans savoir qu'on connaît le Premier ministre a été choisi, sortait du camp du PHTK. Pourtant, le Premier ministre est issu. Mais attendez. Vous comprenez qui ça qui manque de comprendre? Même le CPAC est à ça. Michel Joseph Matébi, dans nos propres, c'était un adversaire pour leader la Lavalasse. Les amis du SDP dedans. Vous connaissez pour voir les amis de Lavalasse là-dedans. Oui, SDP, c'est en partie Lavalasse. Je vais dire comme ça. SDP, c'est en partie Lavalasse. Non, mais André Michel n'a jamais été Lavalasse. Oui, mais le gars de Nenel Kassi, tout c'était Lavalasse. Je vais dire suite. Non, mais attendez, je vous ai parlé de SDP. Oui, SDP. En Haïti, il n'y a pas question d'idéologie. Oui. Les gens en politique, malheureusement pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas d'état d'âme. Oui, ça, on est d'accord. C'est faire du fric sous d'autres populations. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.